finale ce soir pour gagner peut-être un trophée ultra charismatique façon Evo. Ouais, que tu pourras mettre dans ta chambre et frimer fièrement devant ta copine. Dis-nous donc, quand as-tu commencé Street Fighter 3.3 pour avoir un tel niveau? Fin 2007. Et à ce moment-là, tu jouais tout le temps. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu t'es mis à ce jeu plus qu'à l'autre? En fait, j'ai vu la vidéo de Justin Wong avec Daigo. Et à ce moment-là, on a joué. Et ensuite, j'ai joué sur le live. On a regardé le match sur YouTube. Et mon premier tournoi, c'est un tournoi où j'ai rencontré Yaman. Et il m'était que des doubles perfects en fait. C'était une époque où il arrivait à me battre. Et donc quelque part, c'est aussi une revanche. C'est une revanche pour toutes ces humiliations de l'époque. Voilà. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est presque triste. Parce que Yaman, cet homme brillant, fantastique, magnifique. Bon, qui n'est que Tsushima, mais ça, c'est pas grave. Finalement, là, que nous dit l'histoire? C'est que son niveau a stagné. Si Otana... Il y a un petit souci là qui a accepté. On y va? Ok, c'est parti. Les gars, Max de... Ok, un tout petit peu plus fort, monsieur Bujo. Nickel, parfait. Et c'est parti. Et là, Otana, Alex, Yaman. Ultra 2 pour les deux et les couleurs spéciales. C'est dégueulasse, les gars, vraiment. Allez, c'est parti. Otana, à l'attaque. Voilà, il y a des petits décalages. Alors, si mon expérience se vérifie, en gros, le match prend n'importe quoi si c'est la redite des précédents rounds en lotière. Voilà, effectivement, ça ressemble absolument pas au jeu d'Otana. Oui, le confirme. Hey, Evidence. Attention, le anti-air qui est pas passé. Et là, Elena qui a écrasé. Voilà, 75, spécial dédicace. Allez, c'est parti. Voilà, Yaman. Un bon grand point, il confirme pas par médium. Slashy X. Mais ouais, mais faut pas flipper les Slashy X. Voilà, il n'y a pas de punition donnée, vous pouvez rester au plancher. Allez. Voilà, dommage, il n'y avait pas la furie encore. Si j'avais. Et voilà, elle a confirmé, c'est super. Oh là là, Yaman qui dort. Yaman. Vas-y, Yaman. Yaman, tu penses. Oui, non, bah, il avance pour mettre la garde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon Yaman, c'est Alex, il dort. Voilà. Allez, mise au sol. Attention. Là, Fury a bien gardé de la part de Tana. Royal. Et un petit lavage. Allez, Yaman. Il y a des fans d'Hulk Hogan dans l'assistance. Oui, car le savez-vous, le perso d'Alex est inspiré de Hulk Hogan. Voilà, whiff de la balayette par la balayette. Eh, bien gardé cette fois-ci, c'est bon. Il a téléchargé la phase, ouais. Double pari, dommage. Un petit live, je pense, ça aurait puni. Il est super. Voilà, la balayette qui est beaucoup plus dans le match. Dommage, la chauffe qui est sortie un peu trop tôt, la chauffe. Eh, la balayette. Voilà, décalage. Oui, monsieur. Il y a pas de monsieur. Oui, il veut sortir de sa condition. Allez. Et c'est parti. C'est peut-être Otana qui s'est relâché. Oui, bien vu ça. La mauvaise punition. Attention, ça a essayé de punir par la police et c'est pas fait. Ah, allez, allez, la punition. Mais non, on ne punit pas comme ça. Punition de père en fils. Attention, c'est parti. Voilà, le dragon est bien sûr, faut pas sauter comme ça. Voilà, ok. Casse-garde sur l'anti-air. Bien. Pareil, ça va vite. Voilà, la chambre, attention. Otana qui revient. Ah, non. Pourquoi il n'a pas mis la super? Allez, c'est pas grave. Oh, bon. Voilà. Flash, sorti un peu trop tôt. Et Yaman qui veut revenir. Si. Et un partout. Super. Je vous rappelle qu'il a gagné sur cette même phase tout à l'heure. Saut vide. Décalage. Super.
Et le match point, qui va aller affronter Justin Wong dans des conditions encore inconnues? Ne déconnez pas les gars, c'est parti. Car ils le savent quelque part, que s'ils sont top tiers, ils vont avoir du mal. Allez, voilà, c'est facile. Les deux adversaires sont prudents, ça paraît bien. Voilà le volley. Ah, la bien qui s'est habitué au rythme. Ah non, il fallait faire un bon point. C'est parti. Hé, hé, le stéphane s'approche, s'approche. Voilà, Otana qui doit temporiser. Voilà, qui s'enfuit. La barre de stéphane. Voilà, attention. Oh non, non, fantastique. Voilà le dragon, le dragon. C'est tendu, c'est tendu. Le stop qui n'est pas passé. Le quatrième. Allez, match point pour Nirvan qui revient des enfers. Fantastique. Allez, Otana, qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'il joue le perso le plus fort chez les Lotiers. Allez, Nirvan qui est dans son cerveau. Il a raté confiance dans lui. Oh là là, mais c'est un jab. C'est un agir plus un jab. Voilà, la furie. La furie qui whiff. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ça sonnait comme un cri du désespoir. Ah, voilà, la carachop. La carachop encore. Allez, la carrasse à nouveau. Allez, allez, il garde son calme. Il garde son calme. Voilà. Oui, oui, monsieur. Attention, c'est pas terminé. On va pas se relâcher. Ah, et c'est le point. Et Yaman, qui donc se qualifie en finale. En grande finale. Et je vais appeler Justin Wong. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Justin Wong. Bon, les amis, l'heure est grave. Non, je vais faire tirer par encore une main innocente qui veut bien tu t'élever. Allez. Vas-y, Lilou. Mitya. Et c'est Mitya. Fantastique. Mitya. Ok, merci. Toi. Pour la liste. Donc, Otana est heureux, puisque là, il va pouvoir jouer son perso du cœur, qui est Urien, et qui est donc en mythe. Alors, est-ce que en régie on est prêt? La régie, vous êtes prêts? Alors. Alors. Dans quelques instants encore. Et donc, préparez votre Cosmo Énergie, préparez vos voix pour gueuler un max, pour cette finale loser, et pour espérer peut-être que notre Frenchie se requalifie, ou peut-être pas. Alors, là, c'est la minute de silence. Voilà, c'est pour les visions.
attention. Bah, on n'a pas de son. Ah, c'est le son qui s'arrête, d'accord. Donc, normalement, on est bon. Et ben, Otala, les amis, tonnerre d'applaudissements, c'est parti. C'est parti. Et le Ryu de Justin Rose contre le Hulkien à moitié point d'Otala. C'est parti. Et il a raté sa charge, il n'avait pas eu le temps. Voilà, Justin, bien regardé. Super, attention, Otala qui est compressé dans le toit. Oh, le sœur Plexus. Il a fait mal. Bien vu. Bien sûr, il joue surprenamment bien. Je pense qu'il surprend pour le moment. Otala. Voilà. Justin très très prudent. Il sait que si jamais il se fait choper. Et voilà, le vortex. Attention. Aïe. Ah, Justin s'en veut. Allez. Voilà. Dommage. Voilà, bien gardé. Bien. Oh là là, c'est pas... Je te regarde. En fait, il s'est passé plein de choses, ils se sont dit plein de choses. Oh, bien vu. Et Tenjin. Le Tenjin. Non. Non. Oui. Oui. C'est ce que je fais, monsieur. Super. Dommage. C'est pas senti. Et les rôles traversent. Oui. À jouer Ryu et pourtant il a montré un beau spectacle. Allez, peut-être le retour de la revanche pour Otala qui est sur son terrain. Bien vu là, la part de Justin. Dommage, il a pas touché par la boule. Super, voilà, le target. Bon, il a mis au sol. Il a téléchargé le programme Otala. Allez, on se reprend. Et du coup, en plus, il garde son Tenjin. Mise au sol, attention. Il a gardé la part de Justin. Remise au sol, attention. Voilà, enfin, c'est bien incroyable. Le mec qui a arrêté de jouer depuis longtemps. Super punition. Voilà, la manchette. La manchette, mon gars. La manchette de la chemise que je n'ai pas. La manchette. Voilà, attention. Et match point pour Otala et le petit doigt. Allez. Voilà. Regardez, attention. Pas de mise au sol, il n'y a pas de punition. Punition pour Otala. Attention, Otala, le casse-garde, bien vu de la part de Justin. Voilà, bien vu, super, Justin qui sort de cette situation. Oh, c'est lâche, c'est audacieux. Non. Allez, Justin. Et là, et c'est mal. Ça se passe. Et là, il va utiliser le Tenjin. Et un match partout, il ne lâche pas l'affaire. C'est ça le mental. Allez, c'est le mental qui va l'emporter. Allez, Otala, le slip est en toi. Bien vu. Voilà, Justin a bien instauré son jeu quand même. Enchaîne, mon pote. Voilà, décalage. Allez, hop, voilà. Justin qui garde son calme, ceci dit, attention à la mise au sol, est-ce qu'on va avoir le perfect de tout à l'heure? Non, pas de perfect, c'est pas grave, c'est juste une victoire. La punition. Voilà, la finition, Cris Mimosa, la punition. Non, pourquoi il n'a pas mis de jean? La jean, oh, c'est tendu. Non, il choisit. Ça, c'est la gourmandise. Ça, c'est la gourmandise. Le round était pour Justin. Allez, Otala peut utiliser ce moment. Justin qui doit s'en vouloir. Voilà, bien vu ça. Ce casse-garde. La manchette. Mon pote. Voilà. Bon, on est obligé d'être une petite
Fury, Pau. Voilà, super, ça, Justin, il laisse bien passer. Mais il garde son Delgin, ça c'est bizarre. Et il l'utilise pas. La boule Delgin, et là. Non ? Incroyable, vous l'avez vu. Voilà. Et on compte, je ne comprends pas ce Ryu sans Delgin. Allez, Delgin. Pau, regarde. Hey. Allez, le miroir, le miroir. Qui a perdu et qui finit troisième de ce tournoi. Et donc, pour la grande finale, ça va être la redite de tout à l'heure avec Sushiman et Nogman. Et on va retirer les boules de cristal. Alors, est-ce qu'il y a un enfant dans l'assemblée? Un enfant, une main innocente. Vous êtes tous des enfants, c'est pour ça. Alors, ah, qu'est-ce que c'est que ça, une main innocente? C'est quoi, toi? Bon, allez, d'accord. Bravo, Justin Wong, qu'on reverra sur le podium pour recevoir son lot. Mais t'es pas un public, toi? Qu'est-ce que tu fais là, Sarah? Non, c'est public. Public qui veut tirer. C'est terminé. La qualité de cette finale. Voilà, et l'afro est belle, l'afro est belle. Non. Voilà, mais là il y a des boucles. Allez, vas-y. Attention, attention, et tu vas nous lire. L'entière. Et c'est donc la remise exacte de la finale de tout à l'heure. Tu vas pouvoir te venger. Otana qui est contre, mais tu vois quoi qui est. Eh oui, tu t'étais mis dans ton personnage, Otana. Et rien, c'était bien. Voilà, c'est le schnapps. Dommage qu'il n'y ait pas de caméra là. Là, il y a une tête salée. Bon. Nous sommes dans un tournoi qui a des règles, mais des règles spéciales. Si j'ai l'aval complet du public et des joueurs, moi je peux jouer Gilles. Voilà. Cette fois-ci, ça déchoppe. Yaman m'a l'air bien plus dans le match que lors de la première finale. Voilà, ça joue très bien. Il joue les décalages bien vus. Voilà, le marteau pour empêcher Alex de sauter. Super point, les paris. Dommage, il n'y a pas eu de follow-up. Hey, super, j'ai envie de chop. Voilà. Et ça s'est confirmé, monsieur. Hey. Bravo. Allez, Otana, qui veut revenir, car il sait que s'il reviendra. Il sait qu'il a encore une chance de jouer avec son perso du cœur. Hey. Voilà, la Elena qui troll, trollolol. Eh oui, bien sûr, ça c'est définissable. Et la chauffée.
Bon bah Gavin qui fait mon tir. Est-ce qu'il va revenir dans le match? Voilà, là super qui va enlever beaucoup de barres. Et je vais choper, pourquoi? Ah la carachoque qui est pas sorti. Voilà, tant que coups. Pas mal. Premier match pour Fontana qui est à une porte de frisette, le bracket. Et peut-être que à ce moment-là, le public pourra relever le jeu. Allez, c'est reparti. Voilà. Hey. Ah, c'était bien vu là. Ce gros bloc décalé. Là, je suis en plus, monsieur. Je sais pas s'il y avait qui s'est enfin réveillé. T'as vu, les compresses là, il est là dans le couloir. Alors, voilà, Elena qui se barre, qui recherche sa barre et qui se déstocke, bien sûr, petite héroïne cacahuète, voilà, ah oh oui, tout ça pour ça. Allez, Niamh, et les deux adversaires, voilà, là Elena, super, oh là là, hey, et quasi moitié barre, voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Non, il connaît cette phrase, il a connu. Voilà, super. Non. Ok. Il a touché le bout du pouce, ça fait mal en général. Ok, allez. Oui. Super. Ce passage derrière, cette déchoppe, monsieur. Oui. Et hop, partout. Et Otana, qui prend un petit temps pour réfléchir. Que s'est-il passé? Allez, on veut kiffer, on veut briser le bracket. On veut du gym, merde. Allez. Alors, allez. Ah. Super, là c'était une finition du second point qui a un petit peu de frame de recovery, le wagon point d'Alex Lupudi. Ah dommage, le décalage, il ne s'attendait pas à ce que le médium touche. Oui, super bien gardé. Et belle déchoppe. Ensuite. Ok, et c'est reparti, voilà. On change la barre tranquillement. Bien vu, d'Alex. Elle est là dans le coin, à nouveau. Elle arrive à s'échapper, les deux hits. Ok. Ça s'observe. Attention, les barres. Les barres de super, elles sont là. Et le casse-gard. Aïe, aïe, aïe. Match point pour Nirvan. C'est chaud. Fontana, il doit se ressaisir. Il veut nous offrir du spectacle. Voilà. Hey. C'est pas du shop. Voilà. Les adversaires, perdu. Super. Oh là là, Nirvan. Impérial. Non, ça c'était pas. Oula, c'est un peu vacillant là. Allez, on sent un peu de fébrilité. C'était bien vu là, ce light punch pour annuler le deuxième hit d'Elena. Ok, bien sûr que. Non. Ah oui. Tiens. Oh oui, le zombie X. Non. C'est chaud. Oh. Les gars, c'est terminé. Et Niamh qui est le grand gagnant du tournoi Street Fighter 3.3 tiers solo et à qui on va offrir le lot. Et comme Malek et Zouzou le disent, oh my brother, testify!